je suis une golf personnée avec monsieur Mézania. Alors aujourd'hui, on accueille un championnat, en fait, le championnat de la Sarthe des golfeurs. Ça se passe bien, ça a démarré ce matin, il me semble. Ça se passe très bien, ça a démarré à 8h30 ce matin. Et puis ben, les gens, les seniors ce matin qui sont partis, ils sont partis pour environ 4h30 de jeu. 4h30 de jeu, c'est intense quand même. Oui, ça c'est intense. Et puis mais les gens sont dans leur bulle et puis ils font attention à rien d'autre. Ils jouent au golf. C'est quand même le championnat de la Sarthe. Alors cet après-midi, il y a les plus jeunes qui vont eux-mêmes aussi golfer. Je m'y connais pas du tout. Alors on dit golfer, il y a des termes techniques pour parler. Golfer, tout à fait. Cet après-midi, ce sont les jeunes qui vont remplacer les seniors. Bon, ils sont un petit peu moins nombreux, les jeunes, parce que ça démarre des poussins jusqu'aux juniors. Et donc, ils sont une douzaine cet après-midi à jouer entre eux, quoi. Alors, on en parlait tout à l'heure tous les deux. Il n'y a pas de système d'arbitre ni de juge. C'est en fait les golfeurs qui se notent entre eux, hein, c'est ça? Voilà, ils se notent entre eux. Chacun note le score de son vis-à-vis. C'est ce qui évite de se tromper. Et avant de noter le score de chacun, les joueurs demandent à chaque fois à l'autre le score qu'il a fait. S'ils sont d'accord, ils notent à ce moment-là le score sur la carte. Alors qu'est-ce qui se passe justement là? On est en train de voir qu'on ramasse les balles de golf, c'est ça? Ce sont des balles de golf, des balles de practice, des balles d'entraînement donc. Hein, les joueurs s'entraînent et puis donc quand après ils ramassent leurs balles et une fois qu'ils ont fini sur le green comme ici, ils vont taper leurs balles avec des clubs qui sont beaucoup plus longs sur le practice d'à côté. Et là, on peut envoyer des balles à 100 mètres, 200 mètres, 250 mètres. Alors, je vois juste derrière nous, en fait, il y a un jeune qui s'entraîne sûrement pour cet après-midi. Il y a un entraînement particulier, justement, pour pouvoir golfer. Est-ce qu'il faut avoir un très, très bon niveau pour commencer les championnats ou comment ça se passe? Non, le championnat est ouvert à tout le monde. Maintenant, pour avoir une chance de pouvoir gagner le championnat, il faut un certain niveau. Ah oui, alors moi, je suis pas douée du tout au golf. Hein. Je vais peut-être même demander une petite initiation. Je vais juste prendre les impressions en fait du jeune. Alors, excuse-moi ton prénom. Théo. Théo, alors tu t'entraînes pour cet après-midi? Oui, c'est ça. Alors, tu peux nous montrer comment tu fais, comment ça se passe? Pour commencer, je me place. Ok. Donc, je place la balle pour qu'elle soit bien assez haute pour bien la taper. Je mets mes pieds comme mes épaules. D'accord. Après, je mets mon club. Je fais mon grip. Attends, je vais te laisser de l'espace. Hein. Oui. D'accord. Donc, en fait, là, tu viens en même temps de prendre un petit peu d'herbe, en fait, c'est ça. Et comment tu arrives à savoir où tu en es, en fait, quand tu vises la balle de golf? Je sais pas, trop. Ça fait longtemps que tu pratiques? Ça fait 3 ans. 3 ans? Alors, est-ce que tu veux bien me montrer? Je vais essayer, moi, de golfer. Alors, je vais mettre une petite balle. Voilà. Alors, tiens, regarde, tu vois, tu vas me prendre juste ça. Oui. Hop. Donc, faut que je me mette, c'est ça, les épaules parallèles? Oui. Okay. Attention. Ok, d'accord. Deuxième essai. D'accord. Bon, alors effectivement, le golf, je crois que c'est définitivement pas pour moi du tout. Mais alors, pas du tout, je crois que je vais m'initier à autre chose. Tiens, je vais juste poser une petite question à Didier. Justement, est-ce qu'on peut venir s'entraîner toute l'année ici? Toute l'année. Alors, on a même un practice qui est couvert. Côté, donc quand il pleut, on peut jouer sous le practice et en plus il est éclairé. Donc on peut jouer tout le temps. Et là c'est le dernier championnat de la saison, le championnat de la Sarthe? C'est le dernier championnat de la saison. Okay. Ça recommence quand? Après ça va recommencer au mois d'avril-mai l'année prochaine. D'accord, et vous avez des petits champions là en herbe? Oui, on a des champions, on a pas mal de jeunes qui montent et qui sont de réels espoirs en fait. Eh ben merci beaucoup Didier. En tout cas, je pense que je vais continuer à m'entraîner un petit peu au golf. Je vois que je suis pas douée, mais je pense que ça peut venir. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses?
Oui, c'est pas mal. Bon, bah, je vais rester avec toi, tu sais quoi, puis je vais quand même croiser les doigts pour toi cet après-midi. D'accord, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Bon, bah voilà, bah, c'est fait. Je pense que je vais continuer à m'entraîner au golf, Pascal. Comme ça, peut-être que je serai assez douée. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. On verra bien.